Bonjour, mon nom est Danielle Deligny et je serai votre animatrice durant cette série de 12 émissions sur l'hypnothérapie. Je vais vous présenter des professionnels qui pratiquent l'hypnothérapie et qui vont vous renseigner sur les mythes qui entourent l'hypnose et ses pouvoirs. De plus, vous aurez l'occasion de voir des témoignages de personnes qui ont utilisé l'hypnose pour leur santé. Et finalement, nous vous présenterons également des capsules préparées par le regroupement Ma santé, mes droits, qui vous informeront sur vos droits en matière de santé. Sans plus tarder, je vous présente mon premier invité, M. Noël Delcourt, président de l'Association des hypnologues du Québec. Bonsoir, M. Delcourt. Bonsoir, Danielle. M. Delcourt, parlez-nous de votre association. Tout d'abord, l'Association des hypnologues du Québec a été fondée en 1977. Au tout début, c'était par des autodidactes. À l'époque, les hypnologues étaient surtout connus sous le nom de hypnotiseurs. Depuis ce temps, l'association a beaucoup évolué. Plusieurs professionnels ont joint nos rangs, des professionnels de toutes sortes, des denturologistes, des infirmières, des psychologues, des psychoéducateurs, des gens que nous en avons réuni quelques-uns pour pouvoir présenter dans le courant de l'émission. L'association, depuis 1977, s'était forcée de monter une banque de données sur les différentes choses que les hypnologues font. Et l'association s'est aussi chargée de monter ce qu'on appelle un code d'éthique, un code de déontologie pour la protection du public. Alors, notre but présentement, c'est d'essayer de faire connaître ce que l'hypnothérapie peut apporter à chacun d'entre nous et d'en faire favoriser le plus de gens possible. Puis, est-ce que vous obtenez un bon accueil de la corporation médicale? Bon, on peut dire que la corporation médicale en tant que telle nous réserve un accueil plutôt froid. Par contre, depuis les 4 dernières années, nous avons envoyé des représentants, une fois par année, dans 5 centres hospitaliers de Montréal, 5 grands centres hospitaliers de Montréal, où on enseigne aux élèves de première année qui sont en médecine les techniques d'hypnose, qui pourraient leur servir plus tard. Enfin, démystifier l'hypnose pour leur permettre de comprendre que parfois, il y a certaines personnes qui se présentent avec des symptômes qui sont parfois du domaine de la psychosomatique, si je peux dire, et puis qu'ils apprennent à les reconnaître et même, peut-être jusqu'à un certain point, se servir de nos méthodes. Quoique les médecins n'ont pas vraiment beaucoup de temps à donner souvent à leurs patients. Alors, je peux dire que l'hypnothérapie nécessite quand même plusieurs, parfois une demi-heure, trois quarts d'heure de travail. Alors, c'est surtout le travail des hypnologues de faire ça. Mais on peut dire que la faculté de médecine est intéressée à enseigner à leurs futurs élèves, leurs futurs médecins, des techniques de pointe. Puis justement, si une personne veut apprendre l'hypnose, qu'est-ce qu'on fait? Bon, pour apprendre l'hypnose, dans le moment, l'association s'est chargée d'accréditer certaines écoles. Des écoles qui donnent un enseignement complet en hypnose, des cours qui ont été préparés parfois pour des professionnels de la santé qui n'ont pas besoin d'autant d'heures de théorie, si je peux dire, que la personne comme vous et moi qui commence au début. Mais on a des cours complets pour les gens qui partent du début, qui veulent apprendre un peu ce qu'est la relation d'aide, quel genre d'attitude ils doivent entretenir quand ils font face à un client. Fait que c'est quoi les qualités qu'on doit avoir pour pouvoir pratiquer l'hypnose? La première, c'est la curiosité. La deuxième, c'est faire un effort avec soi-même pour être capable de se servir de son senti. C'est-à-dire que dans l'hypnose, il y a des formules toutes prêtes qui sont faites, mais il reste quand même que pour être capable d'amener une personne à l'hypnose rapidement, il y a certaines techniques qui sont plus faciles que d'autres et dont il faut se servir, se prémunir le plus souvent possible. Bon, bien merci, M. Delcourt. Et maintenant, nous allons regarder ce que les gens sur la rue pensent. L'hypnose, ça signifie dans un état secondaire, un état qui est un peu hors de la réalité, c'est ce que je vois. Bon, pour moi, ça ne dit rien parce que je ne connais pas.
ça ressemble, à mon avis, à un petit peu l'état dans lequel on se trouve quand on écoute la télévision ou quand on va chercher des ondes différentes dans notre cerveau. C'est pas vraiment perdre conscience, mais plutôt être entre la perte de conscience et la conscience elle-même. Parce que sinon, pourquoi est-ce que quelqu'un nous mettrait en hypnose si on serait en état de totale perte de conscience? Je ne sais pas. Maintenant, je vais vous présenter un des membres de l'Association des hypnologues du Québec, Mme Cornelia Ohana. Bonjour, Cornelia. Bonjour, Danielle. Dis-moi, Cornelia, comment se fait-il que tu pratiques le métier d'hypnologue? C'est un peu non traditionnel et encore plus pour une femme. Vois-tu, Danielle, il y a 100 ans, plusieurs occupations semblaient périlleuses ou étranges. Et aujourd'hui, on les trouve parfaitement ordinaires. Pour moi, l'hypnose représente plus qu'une occupation. Représente un choix que j'avais fait un jour de changer une attitude bloquante, négative, dans une expérience positive enrichissante. Peux-tu nous expliquer ton cheminement? Oui. Dans mon pays d'origine, la Roumanie, je pratiquais la médecine, la pédiatrie sur une période de 16 ans. En arrivant ici, au Québec, il y a 9 ans, presque, j'ai dû faire un choix de continuer à me sentir frustrée de ne pas pouvoir pratiquer ma profession ou de mettre l'effort nécessaire pour étudier, me réorienter dans quelque chose d'autre où mon désir de comprendre et d'aider l'être humain pourrait se concrétiser. Et j'ai choisi l'hypnose. J'ai étudié, j'ai pris des cours, j'ai pratiqué et j'ai appris à aimer l'être humain sans le juger. On a vu un peu qu'est-ce que les gens sur la rue pensent de l'hypnose, mais toi, qu'est-ce que t'en penses? L'hypnose, c'est un état dans lequel le pouvoir de concentration est utilisé. Et dans cet état mental de concentration maximale, la personne est tellement intéressée par l'idée qu'elle suit qu'elle reste complètement indifférente à tout ce qui l'entoure. Mais c'est quoi juste l'état d'hypnose? C'est justement cet état de concentration. Et pour t'expliquer plus clairement, je veux te donner un petit exemple. Imagine une petite fille en classe de mathématiques. Au lieu de suivre son cours de maths, elle regarde par la fenêtre et elle commence à s'en souvenir les belles journées de vacances qu'elle avait passées à la campagne chez les grands-parents. Elle est tout à fait concentrée sur son monde intérieur, mais elle est complètement indifférente à son cours de maths. On dit d'elle qu'elle est tombée dans la lune ou qu'elle manque de concentration. En fin de compte, son concentration n'est pas orientée dans la bonne direction pour apprendre les maths. Donc, elle est concentrée, mais pas comme il faut. Donc, ça veut dire que même moi, j'ai déjà été dans un état de transe sans même le savoir? Oui, Danielle. On l'est tous et assez souvent. Le célèbre docteur Milton Erickson, qui a étudié longuement l'hypnose, nommait cette sorte de transe la transe commune. Et c'est une transe qu'on retrouve dans la vie de tous les jours. Mais est-ce que le sujet est conscient? Qu'est-ce qui lui arrive? Oui, le sujet sait toujours qu'est-ce qui lui arrive. Et je veux revenir à la petite fille. Au moment où son professeur de maths réussit à capter de nouveau son attention, elle revient en classe, mais elle sait bien qu'elle n'a jamais été partie, qu'elle a été là, mais qu'elle a manqué un petit bout. Elle ne peut pas apprécier la durée de ce temps qu'elle a perdu, mais c'est comme si pour elle le temps s'était arrêté, mais pas pour les autres étudiants.